faut plus que les personnes en situation de handicap soient simplement à définir leur projet de survie, leur projet des actes à la vie ordinaire, mais soient réellement dans la détermination de ce qu'elles souhaitent faire en termes de formation, en termes de vie professionnelle, de vie sociale, culturelle, personnelle, familiale. C'est absolument essentiel qu'elles parviennent à s'affranchir de toutes les limites qu'elles se sont elles-mêmes mises au fur et à mesure de l'avancée dans leur handicap. Les technologies sont une solution. Si je prends ma situation personnelle, je suis aveugle depuis une quinzaine d'années. C'est grâce à l'informatique que je peux exercer mon métier aujourd'hui, que je peux obtenir la capacité de communiquer avec n'importe qui. C'est grâce à l'utilisation d'une interface vocale de l'informatique que j'ai pu retrouver une pleine confidentialité dans ma correspondance personnelle, intime. Sans cela, j'étais obligé de passer par un tiers pour écrire. Donc j'ai toujours la possibilité d'écrire à qui je veux, quand je veux, mais je n'ai plus la capacité à être dans une pleine intimité. Grâce à la technologie, je peux retrouver ça. Maintenant, la technologie n'est qu'un outil et ça ne pourra jamais être qu'un outil. Donc à certains moments, l'aide humaine reste fondamentale. Ce qui fait le handicap, ce qui fait la situation de handicap, c'est le désavantage social qui vient du fait d'une déficience et d'un environnement inadapté. Si je suis derrière mon ordinateur et qu'on communique par mail, je ne suis pas plus handicapé que vous, parce qu'on est à égalité, je peux communiquer avec vous, vous m'envoyez des éléments qui sont totalement accessibles. En revanche, si pour m'écrire les mêmes choses, vous m'envoyez une lettre en version papier, je suis handicapé, je ne peux pas la lire. Donc c'est bien l'adaptation de la société, des outils, de l'organisation technique, opérationnelle, qui crée le désavantage social et la situation de handicap. Donc si la société demain avance sur la question de l'accessibilité universelle, de l'utilisation de toutes les aides techniques, technologiques possibles, on va limiter de façon importante l'ensemble des situations de handicap. Mon plus grand espoir demain, c'est l'accès à la formation, à l'éducation pour toutes les personnes en situation de handicap. Faire en sorte que leur niveau de formation soit au moins le même que celui des personnes valides. Or, aujourd'hui, leur niveau de formation moyen est beaucoup plus bas, à capacité cognitive égale, et cela limite de façon très importante le champ des possibles. Donc, tant qu'on n'aura pas rétabli cette égalité-là, tout le reste est accessoire et la société devra continuer à surcompenser un certain nombre d'éléments, ce qui a un coût social, ce qui a un coût économique et un coût humain très important. Et donc je pense que la priorité en termes d'investissement public, social, sociétal doit être sur cette question de l'éducation et de la formation.